Eh bien, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dark Orbit. Alors oui, je sais, beaucoup de personnes vont me dire « enfin », etc., etc. Beaucoup de choses que je peux lire dans les commentaires des vidéos, notamment des vidéos d'Overwatch qui ont été postées. Alors, pour revenir un petit peu sur Overwatch, parce que les gens n'ont pas l'impression... J'ai pas l'impression que vous avez compris. Le but était de vous présenter, en fait, tous les personnages du jeu avant sa sortie. C'est pour ça qu'il y avait une vidéo à deux vidéos par jour le week-end d'Overwatch. C'est aussi simple que ça. Et autre chose, comme je suis en train de travailler sur la nouvelle aventure pour Dark Orbit et qu'il faut farm sur un serveur X, eh bien c'est un peu long, donc c'est pour ça que c'est compliqué. On a aussi farm sur ce compte parce qu'il faut bien aussi step up un peu tout ça. Parce qu'il y a les nouveaux vaisseaux, etc. qui vont arriver, donc si je veux vous faire des vidéos, eh bien il faut bien farmer. Donc on était un peu obligé, donc voilà pourquoi, eh bien il y a des fois je prends un peu des moments de off pour pouvoir booster un petit peu les comptes. Et que ça puisse au moins vous profiter après pour les vidéos, parce que si je fais des vidéos avec du X1, des roquettes toutes simples, etc., vous allez très vite vous emmerder. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe pour le rythme des vidéos? C'est ce que je vous dis, ça va sortir au fur et à mesure, lorsque j'en aurai tout simplement envie. Pour l'instant, voilà, c'est en stand-by, on est en train de farm tranquillement, de monter tout ça, on attend, je pense que... On va sortir tout ça au niveau des nouveaux vaisseaux. On va essayer de faire bouger les choses. Comme vous avez pu le voir sur Twitter, j'avais envoyé un message à Dark Orbit. Ils m'ont répondu ce matin d'ailleurs pour me dire comme quoi ils allaient réfléchir à l'idée de donner des comptes pour les gens qui puissent, qui sont youtubeurs, qui puissent aller sur le serveur test un peu en avant-première pour donner leurs impressions, etc. Je pense que ça peut être pas mal, c'est pour leur faire une pub marketing qui peut être sympathique. Donc n'hésitez pas à aller follow le Twitter, les gens, on est 3000, plus de 3000 sur la chaîne, on est 110 sur Twitter. Il y a quelque chose qui ne va pas là, messieurs, dames. Allez sur Twitter, créez un compte et vous me suivez. C'est aussi simple que ça, voilà, c'était l'instant un peu putaclic, mais on est obligé, bien sûr. N'hésitez pas à suivre la chaîne aussi. D'autres choses pour un peu tous ces débats... On va les farm d'ailleurs un peu. Ça va être une vidéo un peu, voilà, je détends tranquille. Je vous parle, je vous explique certaines choses. Pour le choix des vidéos, j'ai vu aussi des personnes qui n'arrivent pas à comprendre en fait, et c'est ce que j'ai dit. Quand ils me disent, ça sert à rien les vidéos d'Overwatch, tu as 80 vues ou 200 vues dessus, tu te fais du mal. Voilà ce qu'on me dit, hein, très clairement. Comme j'ai déjà répondu... C'est même pas se faire du mal, c'est juste que moi j'avais envie à cet instant T de vous faire une vidéo sur le jeu. What? Qu'est-ce qu'il fout là lui? J'ai pas du tout les armes pour fight, je crois. Ouais, pas du tout même. Je peux le niquer ou pas? Ah, peut-être pas. Peut-être pas le niquer. Je pense qu'il va peut-être me niquer, mais bon. Ah, ça se joue à Kedal, hein. Ça se joue à rien, je pense que ça peut le faire. C'est son Rex qui va me saouler. Il va avoir l'IEM. Bon, si je veux avoir l'IEM, attendez, c'est tendu, là, c'est tendu. Bon, il va se réparer, ouais, il va se réparer avec son Rex. Putain, il faut chier. J'ai pas le Rex d'équipé. C'est vraiment une sombre merde. Tu le sais, ça, que tu es une sombre merde. Oh, même comme ça, tu vas peut-être péter. Ah ouais. Ah, oh, bravo. C'est encore les NES, ça, le Dudu et à la loyale, quoi. Non seulement je déconfigue GG. Mon silence en dit long. Mon silence en dit vraiment très long. C'est, comment dirais-je, formidable. Alors le jour où je peux faire des vidéos, je suis en off. Le Dudu était bien, parce que le gars il a utilisé son réparateur de Rex et tout, je suis sûr qu'on l'avait. Hein. Ah, t'as le petit Hades qui sort avec son vengeance, il est content. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, comme ça, on me dira que je ne fais pas de Dudu. C'est l'avantage. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est trop, je vais me faire péter, mais mon Zef. J'aimerais juste savoir ce que tu fais là, quoi. Tu penses que je vais sauter et que tu vas revenir du coup? Est-ce qu'on joue le mind game comme ça? Tout simplement, tu as sauté et puis c'est fini, quoi. Ok, je pense que tu as sauté et c'est fini. Et tu t'es barré très loin. Ok, bon, c'est pas ma matinée là. Hein, là, j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout la matinée là. Là, ce qu'on vient de subir là. On est en ma bru, il y a que des MMO et des EIC, quoi. C'est quand même formidable.
Bienvenue sur le FR4, messieurs dames. Ça fait longtemps que je n'ai parlé sur le FR4. Enfin, longtemps. Pour fight des joueurs. Et sur la 3-6, tu vois. On a fait du Cubicon, on a fait des QI ce week-end. On a fait du Crystallon dimanche. C'était calme. C'est très calme. Ouais, je sais pas. Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors du coup, voilà, on va revenir un peu dans le bref du sujet. Ça m'a un peu... ça m'a un peu cassé le rythme. La petite pomme verte, là, elle m'a un peu cassé les couilles. C'est le cas de le dire. Alors oui, du coup, là, le choix des vidéos, comme j'ai dit, voilà, j'avais envie de faire du Overwatch. J'ai fait du Overwatch. J'ai vu qu'il y avait des soucis. Après, ben, après record, bien sûr, vous pouvez pas vous en rendre compte tout de suite quand vous recordez, parce qu'avec XSplit, vous avez l'impression que c'est fluide, et puis à la fin des vidéos, vous voyez que des fois, il y a des petits lags. De quoi ça vient, je ne sais pas. Parce que le PC est bon, enfin, il n'y a pas de soucis particuliers, quoi. Donc c'est un peu débile. Quoi, il a des déco juste devant moi, là? Non, mais c'est pas possible, mais c'est la pire journée de ma vie, là. Non, mais... Excusez-moi, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose là, il y a le karma qui veut pas aujourd'hui là, c'est... Il va falloir rien faire aujourd'hui, c'est pas possible. Ce n'est impossible que ça se passe comme ça. Et juste devant moi, je me le lock, non. Non, non, non. Non, non, c'est pas possible. Non, 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 non. Non. Ok. Bon. Comme je dis, voilà, je me suis aperçu qu'il y avait différents petits soucis. Ce qui fait que pour l'instant, on va attendre avant de faire de nouveau des vidéos d'Overwatch. C'est sûr qu'il y en aura d'autres, surtout cet été. C'est sûr qu'il y aura plus de choses. Il n'y aura pas que du déo, comme vous êtes, comme vous le savez aujourd'hui. Oh tiens, putain, toi t'es de retour, toi. Je sais pas d'où t'es passé. Alors maintenant, tu vois, je vais sauter le portail maintenant, tu vois. Parce que je sais que tu vas ressauter. Donc là, soit je suis un gars intelligent, soit je suis une grosse merde. Voilà, c'est ça. Mais normalement, tu pètes là, voilà. Voilà, non, mais là, le karma revient. Je me disais aussi, c'est bon, là, au bout d'un moment, stop, quoi. Ça marche. Du coup, voilà, les vidéos je vais en revenir, mais il y aura aussi, surtout, d'autres vidéos. Il y aura sûrement avec des jeux consoles. Parce que j'ai envie de voilà, de faire comme j'ai envie, de déconner, d'être un peu plus spontané dans les vidéos. Parce que c'est vrai que sur Deo, c'est compliqué de s'amuser. Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué de s'amuser vu le nombre de gens qu'il y a sur les maps. Il n'y a pas trop matière à déconner, à sortir des bonnes blagues, etc. Sur des petits jeux vidéo en ligne ou autre, ça peut être sympa. Sur du MMO, peut-être que sur Warcraft Légion qui va sortir, on va peut-être se faire quelques petites vidéos dessus pour découvrir un peu l'univers, le mode PEX, etc. Voilà. Histoire de... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre que je vous ai pas dit? Ah, va y avoir une série, petite série, je pense qu'il va durer 3 jours, sur les 3 jeux que je jouais quand j'étais plus petit. C'était à l'époque où Internet commençait un petit peu à sortir. Vous connaissez les boîtiers, on avait des boîtiers à l'époque CGTEL qui étaient en 512 kilooctets ou quelque chose comme ça. Enfin bref, un tout petit boîtier bleu. Donc voilà, c'est là où il y avait 2-3 petites choses. Des jeux, il n'y avait pas forcément tous les jeux qu'on pouvait jouer. Je vous dis, les jeux à lesquels les gens jouaient à l'époque, il y avait beaucoup de Dofus parce que c'était un peu le WoW du pauvre à l'époque. Mais même sans ça, c'est vrai que quand Internet est sorti, bah, tous vos parents, entre guillemets, beaucoup de gens ont dû connaître ça, n'étaient pas très chauds pour mettre, je sais pas, 11€ dans un abonnement par mois. Sachant qu'on aimait bien beaucoup, enfin moi je sais que j'aimais bien changer de jeu. Donc c'est vrai que c'est compliqué, j'ai découvert Deo. Là-dessus, parce que c'était un jeu par navigateur, donc voilà, c'était plus ce que c'était aujourd'hui, même si j'ai espoir que ça reprenne un petit peu, et j'aimerais bien que ce petit projet avec Deo aboutisse pour avoir les exclusivités sur les serveurs test, ça pourrait être sympa. Alors, quelle est la poussie là? Ok, c'est bien lui. Dommage que j'ai pas les configs pour toi, mon pote. Ah ouais, toi depuis que t'es chez les gens, tu me fais même des IEM fufu avec ton vengeance, quoi. Pourquoi j'ai pas les configs pour aujourd'hui? Je suis pas raffiné, j'ai pas les configs pour! Viens là! Ouais, bah là il va fuir, ça sert à rien. Ça sert à que dalle, il va partir sur sa speed avec son petit vengeance. Putain, ouais, Astérix chez les anges, j'en reviens toujours pas, quoi. C'est... Même sauter le portable, j'ai même pas envie de crever. Ça sert à rien. Soit tu fightais jusqu'au début, mais après, vu que t'es parti avec ton relance, et quand tu voyais mes configs, hein, c'est des configs à l'arrache. Donc c'est fort amusant. Mais ouais, putain, le mec il aime plus fuir et tout. Hein. Il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit, ça c'est truc. Essayer de faire un truc structuré, mais ça part en couille à chaque fois parce qu'il y a un petit fight de merde qui arrive.
pour le fun, vous savez quoi? On va faire une UBA avec ses configs de merde. Allez hop. Juste pour le fun. Une UBA avec ses configs de merde. Voilà. Ouais, donc je suis conscient aussi que pour le nombre de vues sur la chaîne, je sais que les vidéos de Déo plaisent énormément et que ça fait plus de vues. Mais comme je vous l'ai expliqué, je fais pas ça pour l'argent. Et puis je voulais vous dire, honnêtement, avec 1000 vues par vidéo, c'est pas comme ça que vous allez gagner votre vie. Il faut qu'on se le dise. Et du coup, bah, je sors les vidéos quand j'ai envie, en fait. J'ai aucune contrainte. Enfin, j'ai aucune contrainte. Vous êtes là pour quelque chose, pour une attente de vidéo, ce que je peux concevoir. Et c'est pour ça que vous êtes abonné à la chaîne. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que moi, c'est pas mon métier, quoi. Je suis pas youtubeur, j'ai pas du tout la prétention de l'être. Ni les capacités de l'être à l'heure actuelle, qui sait, peut-être qu'un jour ça marchera, mais je n'y crois pas trop. Soit, en général, soit vous percez de suite, soit vous percez pas. Après, je ne dis pas, hein, 3000 abonnés, c'est déjà énorme. Pas beaucoup de gens y arrivent en France, pour vous donner une idée. Youtubeur francophone, parce que c'est classé comme ça. On est, je crois, 2200e. Voilà, sur tous les francophones qu'il peut y avoir dans les différents pays. Suisse, Belgique, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme pays qui ont... Espagne, un peu de francophone, mais pas tant que ça. Bref, Canada, etc. On est quand même pas mal, donc ça fait toujours plaisir, c'est toujours quelque chose, voilà, qui est satisfaisant. Et ça apporte beaucoup, honnêtement, ça apporte beaucoup, parce qu'on dirait pas, mais savoir parler derrière un micro et essayer de pas faire de blanc et d'être structuré... Sur cette vidéo, c'est pas le cas, prenez pas cette vidéo comme exemple, mais quand les vidéos sont travaillées, etc., il n'y a pas de blanc, et ça vous aide énormément dans la vie, pour votre travail, pour aussi lorsque vous êtes avec des gens, que vous voulez discuter, etc., vous aurez plus la facilité d'engager vous la conversation, donc de ne pas créer de blanc, de mettre les gens à l'aise, ce qui fait que du coup, voilà, il y aura des bonnes vibes, et ce sera plutôt sympathique. Voilà ce que ça apporte. Honnêtement, enfin, ce que moi ça m'a apporté en tout cas, YouTube à l'heure actuelle, au-delà du fait que des gens me suivent, etc., ça m'a apporté beaucoup dans ma vie de tous les jours, et c'est plutôt, plutôt un bon plan, un bon point, pardon. Plan, point. Voilà, si je suis enrhumé, c'est normal, je suis allergique au pollen, pour ceux qui se le demandent. J'ai fait à peu près le tour de cette vidéo. Bon, on a eu le seum sur le petit fight avec petite pomme de terre, c'est pas grave, petite pomme verte, on va y arriver. C'est pas très très grave. Du coup, là, c'était un petit peu pour vous expliquer tout ça. Oui, les vidéos de Déo vont revenir, il faut juste patienter un petit peu. Voilà, quand ce sera le bon moment, on reviendra, on travaille sur différentes choses. Et voilà, on espère sortie du site. C'est mon dernier, ce que j'aimerais bien, c'est voilà. Site pour la communication, etc., ça pourrait être bien mieux, mais en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Voilà. C'est le seul réseau social que j'utilise, j'ai pas envie de faire chier les gens avec Facebook, avec Twitter, etc. Twitter, c'est facile, c'est cool d'utilisation, il n'y a que 140 caractères, donc les gens, en fait, vous cassent pas les couilles quand ils vous écrivent des messages, c'est bien mieux. Voilà, il y a moins de spam potentiel que sur Facebook, donc honnêtement, c'est bien mieux. C'est bien mieux, et voilà, donc si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.